Salut, salut encore et bienvenue encore sur notre édition de Tolu du Quack. Aujourd'hui, c'est là. On a encore un check en dossier. Et en passant, pour ceux qui veulent mettre les organes là, pardon, passez tout comme les cachets. Vous savez que moi, les retours là, je ne suis pas moi là, ça ne me concerne pas. Donc, je suis moi dans mes Tolu du Quack. Donc, les gens du langage des bas étages là, donc, déjà où, dans les matchs de ton quartier là, c'est pas beau. Vos trucs de bonhomme, ça qui pleut comme ça. Nous, on reste dans nos bacatiers, dans nos marquages, dans nos yoyos. Hein? Pour cela, on va parler des groupes WhatsApp, des groupes Facebook, des groupes Telegram, de vente de piment en ligne. Oui, c'est un phénomène qui est en train de prendre une certaine ampleur. Ça te prend une certaine ampleur, sans tout faire pour mentir, ça prend une certaine ampleur parce qu'il y a maintenant des gars qui sont maintenant là, en quelque sorte tapés dans l'ombre. Donc, c'est eux qui mettent la chose en place. En fait, donc, les gars ont des quoi un peu. Bon, ils créent un groupe. Dans le groupe, ils essaient un peu de comporter un peu des gars qui savent que les gars qui aiment un peu beaucoup les festivals, les fêtes, tout le consort, les fiestas. Vous voyez un peu. Ils les habitent dans le groupe, donc un peu, ils sont un peu aussi accro dans les snaps, tout le console. Donc, ils aiment les gars qui aiment du show. Je vois un peu. Donc, il est un peu, en quelque sorte, un peu comme un proxénète, quoi. Ils sont pas en quelque sorte comme des proxénètes. Donc, ils font des petits recrutements dans les bars quartiers, là, donc les filles, les étudiantes, les filles qui sont au quartier, qui n'ont rien à faire, on les copte, donc. Donc c'est eux qui font un peu de canal quoi. Donc c'est eux qui implémentent la chose, ils créent un groupe, ils invitent, ils envoient des liens dans les différents sites, soit comme Facebook, des liens vous invitant à vous adhérer. Dès que vous arrivez, bon, on essaie de vous proposer on vous propose des filles, si tu veux un pot, quand tu veux prix, si tu veux les partouzes, si vous voulez. Les soirées ou quoi déjà dans des maisons meublées, tout le consort, ils ont des différents tarifs. Donc c'est quelque chose actuellement, c'est là que il y a bon nombre de petites filles qu'on a en train de tourner maintenant dans ce sens là parce que pour eux ils pensent que c'est bon, c'est un peu quelque chose un peu de plus réservé, un peu plus. Elle est sûrement elle est chez elle, elle a son téléphone à main, elle communique dès que le rendez-vous est scellé. Mais c'est le passe d'autres, c'est d'autres qui reçoivent. Donc, c'est un phénomène qui est en train de prendre une certaine ampleur. Je vous assure. Et les filles, même, pratiquement, si tu vois une fille, elle est là, elle est pratiquement au quartier, elle ne fait absolument rien. Mais elle loue un appartement pratiquement. Tu comprends le prix, c'est exorbitant. Pourquoi le quartier où elle loue? Elle ne travaille absolument rien. Vous pensez qu'elle fait quoi? Et c'est là qui implémente, qui met ce système-là en place. Donc il a un pourcentage. Donc si on dit que si se retrouve qu'il a pratiquement presque même 10 fils sur la main, même 50 fils sur la main, il faut qu'en une journée, il essaye, il propose dans les différents groupes, etc. Donc si c'est pour celui qui se prononce, qui a la gâchère, qui a envie de. Donc le gars qui a envie de déballer le cookie, il se prononce. Donc le gars, il essaie de lier la fille avec le gars. Hop, le rendez-vous est placé. Lui, il reste maintenant, il attend seulement sa commission. Donc, c'est devenu un boulot pour certains. Donc, c'est comme ça un phénomène qui est en train de prendre une certaine ampleur. Donc, ne soyez pas surpris là que vous allez arriver sur un site là, ou bien soit dans un groupe là, vous allez voir votre petite soeur là. Qui sait? Elle est là. Tu vas la voir là, maison, elle va jouer à la sainte d'église. À la soeur. Alors que plutôt derrière, ce qu'ils font, c'est de n'importe quoi. Donc j'attire seulement l'attention des parents, de certains aussi, d'être un peu très vigilant de ce côté. Parce que le dehors là, franchement, ce n'est plus bien. Parce que fait seulement la position n'est plus avec cette tenue là. On va dire le jour là, on part de ici. Non, maintenant s'ils ont levé le niveau. Donc ça se passe maintenant plus maintenant un peu en catimini. Donc c'est ce. Portez-vous bien. Avant de partir sur la cour de l'éducation, tu partages ça au max. Blah.